Eh bien, bonsoir ou bonjour, à l'heure où je tourne, il est déjà l'heure de dire bonsoir, mais il est encore l'heure de dire bonjour. C'est une petite indication sur l'heure où je tourne. Et j'ai trouvé, regardez, c'est transparent, c'est plus transparent, c'est transparent, c'est plus transparent. Donc, on va dire c'est transparent, hein. Ce sera toujours mieux. Et donc du coup, GameSpeed 1, bon, j'ai accroché une touche que je ne voulais pas accrocher apparemment. Ah, apparemment, bon, bah, je vais arrêter de dire apparemment, je suis fatigué, mais c'est pas grave. Et je regarde l'heure à laquelle je tourne, voici. Et donc, mais non, c'était pas du tout ça. J'ai dit, on désactive tout, on n'active pas ça du tout. On active ceci, on active cela, on active ceci et cela. Mais je ne sais plus ce qu'est cela. Cela. Le pain aussi, bread, voici. Et je crois que c'est tout ce qu'il fallait que j'active. Donc, j'ai perdu mon panneau. J'avais, c'était voilà celui-ci. Donc 8 pains, 8 pains, 4 apple pie, ils sont d'en faire une, 4 pear pie, il y en a une qui est faite. Et donc ici, moi dedans, je voulais faire un lit, et oui, donc c'était dans furnitures, wooden bed, mais bien sûr, je n'ai pas de bois pour faire le lit. Ah voilà, c'était ceci dont je vous parlais, les ah comment ça, les spears, les frog spears, voilà, froggy. Donc celui-ci s'appelle Toady, donc c'est un crapaud, mais c'est pareil, ils font très mal et je n'ai pas envie, voici Froggy, je n'ai pas envie que mes personnages les croisent maintenant. Je n'ai pas envie de perdre les 11 super personnages, j'ai failli pointer avec mon doigt sur mon écran. Et oui, il est aussi tard que ça ici. Et donc, on va couper du bois, rasons une forêt. Je suis dans une période de déforestation intense. Ça, c'est du gravier. J'ai cru et espéré un moment que ce soit du charbon pour faire des torches, mais non, ce n'est que du gravier. Donc, je vous propose de découvrir un petit peu cette carte le long de cette jolie rivière, puisque forcément, je cherche non pas du gravier, mais du charbon, parce que le charbon... c'est bien, et ça me permettrait de faire des torches. Et en même temps, je vois que je n'ai pas l'impression qu'il y ait de petits lanciers grenouilles de mon côté. Non, ça c'est un coq. Et s'il n'y a pas de petits lanciers grenouilles, eh bien, c'est très 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 bien. Parce que ça veut dire qu'il va falloir attendre que je sois de l'autre côté pour me faire assassiner très bien. Donc, alors, je voudrais... Gathering and Harvesting. Est-ce que là, ça tombe dans Gathering and Harvesting? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas dans quoi ça rentre. Oui, je pense que ça rentre là-dedans et non pas là-dedans. Donc la première priorité est de faire quelque chose à manger. C'est très bien. Ensuite, c'est Gathering and Harvesting. Oui. Mine and Dig. Till and Shop. Bah, mes priorités m'ont l'air bien pour ce que je veux faire. Et donc là, ils vont me faire une porte et moi, je vais mettre un lit ici. Puis parce que je suis très gentil, un lit ici. Et ça... Oh, très bon jeu de mots hein, sur le cupboard qui ne contient pas de cup. Une table, peut-être. Une table, je ne sais pas. Ah ça, j'aimerais bien, oui. Oh, très bon jeu de mots, Call Me Splinter aussi. Donc oui, je vous laisse le trouver. Et donc, on va attendre qu'il récupère ce bois ici. Ouh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois. Donc ils vont mettre des millions d'années pour le ramener, étant donné que c'est très lent quand je filme avec Fraps et que je ne sais pas s'il est possible de monter la vitesse, puisque là, vous voyez en haut, je peux avoir Game Speed 1. Et j'imagine qu'il est possible d'avoir un 2 ou un 3. Effectivement, tout à l'heure, quand je cherchais cette commande de transparent, pas transparent, transparent, j'ai réussi à trouver Game Speed 2, mais je ne suis pas capable de le retrouver.
C'est assez peu pratique, je dois vous dire, parce que j'aurais bien aimé que ça aille un tout petit peu plus vite, parce que je pense que vous aussi, vous devez un peu vous ennuyer hein, parce que je rate lamentablement des stockpiles comme ça. Wood et stone. Et... Oh, puis non, on va la garder comme ça, pas symétrique, toute moche. Ce sera très bien. Et donc là, j'espère que l'un d'entre eux va décider de prendre du bois, de fabriquer la porte et de fabriquer les deux lits. Donc ils vont devoir prendre 12 bois pour faire tout ça. Ce qui correspond à peu près, plus ou moins peut-être, à tout ce que je viens de couper. Et donc ils coupent du bois. Ils coupent toujours. Ça, il faudrait que quelqu'un prenne ceci de cette herbe pour le poser sur cette herbe-ci ici. Et donc qu'est-ce qu'on peut construire aussi? Ça serait bien. Mais je ne sais pas. Ça, oui, parce qu'on va pouvoir traverser plus tard. Mais là, il y a ces deux-là que je n'ai pas envie d'aller voir tout de suite. Hein. Je n'ai pas très confiance. Ah, ça c'est. J'aimerais bien avoir les os. Mais il reste les petits lanciers que je n'ai pas envie d'aller voir. Parce que j'ai pas envie de lamentablement mourir avec un lancier. Et j'ai l'impression que le jeu est encore plus lent que tout à l'heure quand j'ai lancé Fraps. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais je vous promets de regarder pour la prochaine fois si je peux trouver comment accélérer. Et on a Ailes, Ailes peut-être, Ailes je pense, qui est en train, j'espère, de construire un banc. Et je vais chercher comment on trouve le game speed 2 ou 3 ou 4 pour aller peut-être un peu plus vite. Et donc nous voyons ici que ça fait 3 jours que tous mes gentils petits, mes petits V-villageois du V-village, pour le moment, on peut pas l'appeler une V-ville encore. Ça reste vraiment un V-village. Et voilà, il y a un lit qu'elle va déposer ici. Et donc, la prochaine personne qui va vouloir dormir va pouvoir dormir non pas sur la pile de bois, ici ça doit être assez dur, mais pourra dormir très bien dans un véritable lit. Donc un lit en bois. Parce qu'après je peux faire des lits autrement, je peux faire un lit en os. Je sais pas si j'ai envie de faire un lit en os quand même. Ça, c'est pas très sympathique. Hein? La porte en os, par contre, oui, je pense que je vais la faire parce que c'est. Ouais, je sais pas non plus, c'est un peu. C'est un peu différent, ça. J'ai pas très envie de le faire. Oula, ça, oui, ça, je peux faire ça aussi. Ah, mais ça va être très bien plus tard. Je vais pouvoir faire une ferme qui va me faire des vaches. Ben, je vais en faire une tout de suite, tiens. Ah bah ça peut être aussi très bien à faire. Mais il me faut des torches, donc il va falloir que je trouve du charbon. Déjà je vais faire ça ici, dans la continuité ici, on va laisser un, et hop, voilà. Donc là, ils vont m'aller me faire ça bien, bien joliment. Voilà, avec une petite bûche ici, puisque c'était ça, il fallait deux bûches. Voilà, il faut deux morceaux de bois et deux vaches. Donc il y a une vache ici, une vache là. Et je vais pouvoir faire une ferme de vaches. Donc je ne sais pas ce que ça produit, je ne sais pas quelle est son utilité, je ne sais pas si c'est réellement utile. Et là, quelqu'un va utiliser un lit. Et il dort sur le lit et non pas dans le lit, debout, devant. C'est original. Sa méthode pour dormir est très originale. Et je vais attendre que cette ferme à vaches. Donc le nom m'échappe, cette étable, non pas du tout, puisqu'elle est à l'air libre. Ce champ de vaches en fait. Oui, ce champ de vaches soit construit et je vais couper l'épisode après que Ailes se soit détruit le dos et complètement rasé les champs de blé pour mettre la vache ici. Voilà. Ouh, Froggy vient de tuer une vache, donc ici. Ils étaient ici, donc Froggy est ici, et donc il a tué une vache quelque part ici. À moins qu'il y ait d'autres Froggy sur la map, ce qui ne m'arrangerait pas du tout. Et ça me dérangerait plutôt, puisque. Oh, du charbon ici. Je vais être obligé de faire un petit pont ici
pour aller chercher le charbon puisque je n'ai pas confiance de le chercher ici. Et je vois que la rivière continue en souterrain et que je n'ai pas intérêt de la percer. Et voilà, ma ferme de vaches est fonctionnelle. Ah oui, je suis en transparent. Voilà, je suis en non-transparent. Donc ma ferme de vaches est fonctionnelle. Merci Ailes de l'avoir fait. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.